Salut à tous, bienvenue à la pause littéraire, une émission qui vous parle des écrivains d'ici et d'ailleurs. Pour ce numéro, nous allons vous décrypter Tiernomone Nembo et ses œuvres. Tiernomone Nembo est né le 21 juillet 1947 à Porédaka. Il est de nationalité guinéenne. Il est écrivain et romancier. Tiernomone Nembo, de son vrai nom de naissance, Tierno Saïdou Diallo, est né le 21 juillet 1947 à Porédaka en Guinée. Et il est écrivain guinéen, lauréat du prix Renaudot en 2008. Fils d'un fonctionnaire en Guinée, en 1969, il fuit le pays et le régime d'Ahmed Sékou Touré et rejoint à pied le Sénégal voisin. Il fait ses études en Côte d'Ivoire, ensuite en France à partir de 1973 où il obtient un doctorat en biochimie de l'Université de Lyon. À la suite de ce succès, il enseigne au Maroc et en Algérie. En 2008, il est professeur invité au Middlebury College dans le Vermont aux États-Unis. Parlant de sa carrière d'écrivain, Tiernomone Nembo met sur le marché du livre son premier roman en 1979. Ses romans traitent souvent de l'impuissance des intellectuels en Afrique et des difficultés de vie des Africains en exil en France. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire et aux relations des Noirs avec la diaspora émigrée de force au Brésil. Il consacre un roman au Peul et une biographie romancée à Aimé Olivier de Sanderval, un aventurier et explorateur français, originaire de Lyon et Marseille, campagne pastrée, admirateur de leur civilisation, est devenu un roi Peul, le roi de Caen. À cette occasion, il revisite l'histoire coloniale pour faire entrer cette période controversée dans l'imaginaire romanesque. Il travaille également sur la vie d'un Peul guinéen, Adiba, héros de résistance en France fusillé par des Allemands. Le terroriste noir ainsi que sur les liens unissant la diaspora noire d'Amérique avec l'Afrique. Tiernomone Nembo est en résidence d'écrivain à Cuba lorsqu'il apprend qu'il est le lauréat 2008 du prix Renaudot. Sa récompense met en lumière toutefois la place grandissante qu'occupent les écrivains français d'origine africaine dans la littérature francophone. Écrivain engagé, il critique vivement le coup d'état militaire du 23 décembre 2008 en Guinée qui porte au pouvoir la junte menée par le capitaine Moussa Dadis Camara juste après la mort du président Lassana Conté qui dirigeait le pays depuis 1984. Resté relativement discret en 2009, tant sur le plan politique que littéraire, jusqu'au massacre de plus de 150 civils par l'armée le 28 septembre à Conakry. Il écrit alors une tribune publiée dans Le Monde et intitulée « La Guinée 50 ans d'indépendance et d'enfer ». Pour condamner cette tuerie et appeler la communauté internationale à agir, en octobre 2019, il alerte de nouveau la communauté internationale en publiant une nouvelle tribune, dont le point aussi gère sur la volonté du président guinéen Alpha Condé de s'octroyer un nouveau mandat après son dernier mandat constitutionnel, quitte à marche sur des monceaux de cadavres. Il est l'auteur de plusieurs œuvres, dont en 1979, Les crapauds broussent, paris aux éditions Le Seuil. En 1986, Les écailles du ciel, paris aux éditions Seuil également, grand prix littéraire d'Afrique noire. En 1991, Un rêve est-il, paris aux éditions Seuil. En 1993, Un natcheke pour Elgas, aux éditions du Seuil. En 1995, Pelou Rino, paris aux éditions Seuil. En 1997, Cinéma, aux éditions Seuil. En 2008, Le Roi de Caen, aux éditions Seuil aussi. Prix Renaudot.
en 2012, le terroriste noir au seuil. Prix Amadou Kourouma, Grand Prix Palatine, Grand Prix du roman Métis et sélection du prix des 50 continents de la francophonie en 2013. Pour ne citer que ceux-là. C'est parti pour une pause musicale! Et là, vous venez d'écouter le son de Lamassi Dibé. Quoi, Allah Wallata, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous vient en aide dans sa chanson. C'est une chanson du Fouta Diallo. Voilà. Vous êtes à la pause littéraire et c'est la radio libre Fakoli, la voix des sans voix. Écoutons ici Tchernomone Nembo en train de nous faire des témoignages sur ses différents livres. Je suppose qu'Engesma reste la même. Boudeuse et agenouillée, sous la grisaille de l'automne, sous la vive poussière de l'été, comme une enfant punie pour une faute commise il y a longtemps, juste après le péché originel. Je suppose que comme tous les vendredis, les années s'ébranlent de hauteur pour y proposer au souk la volaille et le miel. Je suppose que l'on se passionne toujours pour le football, le jeu de domino et les chicanes. Je suppose que les Hittites passent leur journée assis sur le grand perron de la poste pour mater les jeunes filles arrivant de bateaux, de Beaujolais Nouveau et de Brigitte Bardot. Je suppose qu'on le ressent encore les répliques interminables du tremblement de terre d'El Asnam. Mais que, comme tous les ans, la place des chameaux s'anime de courses de chevaux et de fantasia. Ce roman décrit une période cruciale de l'histoire algérienne, les années 80. L'Algérie était en transition politique. On quittait le régime de Boumédienne pour celui de Chadli Ben Jedid. On hésitait, on ne savait pas trop s'il fallait poursuivre l'expérience socialisante initiée par Ben Bella ou s'il fallait faire un recul. Ce sont les signes précurseurs de la période noire que vivra l'Algérie quelques années plus tard. Vous savez que dans les années, au début des années 90, ce pays a subi une véritable guerre civile, mais les prémices de cette guerre civile étaient déjà là dans les années 80. Moi où j'y étais, j'ai enseigné dans les Aurès. C'est l'histoire d'une jeune fille,
né dans un milieu traditionnel. Son père est très attaché aux valeurs anciennes, notamment depuis qu'il a rencontré en prison un cheikh revenu il n'y a pas très longtemps du Moyen-Orient, qui va l'initier justement à la rigueur musulmane, donc à l'intégrisme. Et ce père va lui imposer une ligne de conduite bien précise, pas de télévision, pas de radio, on ne sort pas, on ne parle pas fort, on ne rit pas, hein, il faut respecter à la règle, disons les règles, non pas de l'islam, mais de l'islamisme lui-même. Et cette jeune fille, par le truchement d'un Camerounais qui enseigne le sport, qui enseigne l'éducation physique dans cette ville, va connaître, va rencontrer un jeune Français, un jeune Breton qui s'appelle Luc Bliken, il va avoir une aventure entre eux, et elle va tomber en grossesse. Elle va avoir donc un enfant, et elle sera obligée de quitter sa ville pour chasser par le clan, en quelque sorte. Et c'est cette aventure-là que je raconte tout le long du livre. L'aventure, c'est une jeune fille qui résiste, qui lutte pour survivre, qui lutte pour sauver son enfant, mais en même temps qui lutte pour avoir accès à quelque chose qu'elle n'a jamais connu, la liberté. C'est un conte. Mais s'il y a à la limite un message diffus, c'est peut-être que le plus important dans la vie, surtout pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est avoir accès à deux choses qui me tiennent à cœur, l'amour, elle va découvrir l'amour à la fin du livre, et la liberté. C'est les deux raisons pour lesquelles elle se bat. Et ce sont deux causes qu'elle va finir par obtenir. Elle va trouver et l'amour et la liberté. Après un très très long combat. Un combat de titan, un combat vraiment de guerrière, au sens vrai du terme. Et je suis sur un projet qui me tient à cœur depuis que je suis là en Guinée. J'ai envie d'écrire un roman qui retrace toute l'histoire très chaotique et très douloureuse, très sanglante de la Guinée depuis 1958 à travers la vie d'une jeune fille d'aujourd'hui. Une jeune fille guinéenne d'aujourd'hui qui concentrerait sur elle toute la douleur nationale. C'est mon projet en ce moment. Je n'ai que quelques pages, c'est un travail très difficile à faire. Ce n'est pas facile, à mon avis, de mettre la Guinée dans un livre. Tellement que le chaos est immense. Mais enfin, j'ai essayé. Adiba, le personnage principal de ce livre, est né dans un petit village de Guinée en 1916. Il est très vite adopté à l'âge de 13 ans par un Français qui était percepteur, ce qui était déjà une chose très originale, très nouvelle en Afrique. Il arrive à Langer, à côté de Tours, en 1929, quelque chose comme ça. Et il vit en France, il grandit en France. Une époque où, décidément, les jeunes noirs en France étaient très peu nombreux. Voici déjà quelque chose d'original. Ensuite, la guerre arrive. Il s'engage volontairement dans un régiment de tireurs sénégalais. Après le débat de la bataille de la Meuse, il est fait prisonnier, comme beaucoup d'autres Africains, beaucoup d'autres Français d'ailleurs, de souche. Il s'évade de Neuchâtel. Il erre dans les forêts des Vosges, comme beaucoup d'Africains de cette époque-là. Et il finit par atterrir dans un petit village vosgien qu'il adopte. Et dans ce village, à côté de ce village, dans une forêt, il organise le premier maquis des Vosges. L'épopée ici est très atténuée par la mémoire individuelle, par le souvenir très confus d'une femme devenue vieille, qui était jeune à l'époque, qui a connu Adiba quand elle avait 18 ans, et qui essaie de reconstituer toute cette époque-là à travers ses souvenirs personnels. L'histoire ici est vécue au niveau de l'individu. C'est plus l'histoire, mais c'est la mémoire. C'est même pas la mémoire, c'est le souvenir. Donc j'ai essayé au maximum d'humaniser ce grand principe qu'on appelle l'histoire. Ça, c'est la trame donc, de ce livre, qui est forcément en relation avec le livre précédent, notamment avec Dora de Kael. Parce que j'ai bien remarqué, les deux personnages, s'ils ne se ressemblent pas, se rencontrent. Ils sont un peu des personnages croisés, qui se croisent dans le destin, qui se croisent dans l'histoire, puisque Ebbé Sandéval quitte Lyon à la fin du 19e siècle pour aller fonder, soi-disant, un royaume africain chez les Peuls, un blanc qui quitte l'Europe pour aller se mêler à l'histoire des Noirs en Afrique. Et Adiba, c'est l'inverse.
Il quitte le monde des Noirs, le monde peul, pour venir se mêler à l'histoire des Blancs. Et tous les deux sont des figures énigmatiques, très originales par rapport à leur époque, et qui sont en même temps des figures oubliées ou méconnues volontairement par l'histoire officielle. Et en même temps, ce sont deux figures qui éclairent d'une autre manière des relations très complexes, très souvent conflictuelles, qu'il y a eu à travers la colonisation entre la France et l'Afrique noire. C'est parti pour la deuxième pause musicale, puis on revient. Vous venez tout de suite d'écouter le son Nani Nani de DTM, un chanteur guinéen vivant aux États-Unis qui chante Nani 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 qui signifie les ondits, comme on le dirait dans le langage ivoirien. Voilà. Chers auditeurs, aujourd'hui, dans la pause littéraire, nous avons parlé de Tierno Monenembo, de sa bibliographie. Merci de rester fidèles à la pause littéraire. Sur ce, à jeudi prochain, même heure. Je vous adore.